salam le monde. À l'occasion de la Coupe du Monde 2022, j'ai sorti un son pour le Maroc. Lion de l'Atlas est dispo sur ma chaîne HPP Music et sur toutes les plateformes de stream. Bombardez ça les frérots. Allez, bonne vidéo. Et salam le monde, ça game pas aussi, j'espère que vous allez bien. Les gars, on se retrouve bien sûr pour ce match de l'équipe de France. Donc France-Danemark, deuxième match de cette phase de poule. Après une belle victoire face à l'Australie, 4-1. Bah voilà, on affronte nos adversaires préférés entre guillemets, hein, le Danemark, parce qu'on les affronte à chaque fois, à chaque compétition. Donc je pense que ça va être un beau match. Papa, toi, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Est-ce que tu le sens bien? Bien sûr, je sens bien, on a gagné le premier match. On est mieux que, franchement. Donc, voilà. Parce que pour moi, 0-0 contre la Tunisie et Danemark, donc, il n'est pas au top top. Et du coup, ton pronostic? Oh, je peux dire 2-1. 2-1 pour la France. France. Bien sûr, pour la France. Ok, moi j'irai. Allez. Franchement, je verrai un match nul. Je verrai, franchement, un triste 0-0. Du coup, je sais pas ce que tu penses là, des petits changements qu'il y a. Bon, bien sûr, Hernandez qui a remplacé son frère. Bien sûr. Pour moi, l'arrière droit aussi, Koundé à la place de Pavard. Pavard, il n'était pas à l'aise, ouais, le premier match. C'est mieux qu'il le repose un petit peu, après il peut revenir à sa place. Voilà. Et du coup, Varane qui revient. Varane, c'est normal, il est titulaire. C'est lui parmi les anciens, donc toujours, il faut qu'on garde quelqu'un qui est ancien, ça c'est normal. Personne le suit, t'as vu ou pas? C'est quoi ça? C'est bien, hein, franchement, bien la circulation. Sûr. Bah, ça joue bien, hein. Vas-y, allez, mets en une touche. Aïe. Oui. Attends. Oui. Qu'est-ce qu'il a? Un corner. Oh oui. Quand même, Griezmann, il garde pas la balle. Il joue en une, deux touches, maximum. Oh, voilà. Bien joué. Regarde comment il défend Griezmann. Ça, mais il est fort, moi, mais ça, c'est depuis qu'il est à l'Atlético. Il a eu une grinta. Il a appris à défendre comme ça. Il est incroyable. On le voit plus trop marqué, on le voit plus trop dans les grosses actions, mais il est important. Mais ouais, c'est comme Iniesta, Xavi à l'époque, tu vois. Griezmann est... Tu sais, maintenant, il vieillit, il a changé son devenir... jeu. Oui, voilà. Donc, il va devenir milieu de jeu. Je trouve qu'il s'est bien adapté. C'est bien adapté. Pff, heureusement que le ballon, il est mal donné, parce que sinon, c'est bien joué. Oh, oui, bah oui, pour... Rouge. Oh. Rouge. Non, il reste les deux. Non, il reste les deux. Oh, oui. Mais il est fort, Schmeichel. Vas-y. Oh, oui. Oh, non, pourquoi... Oh oui, il y avait but. Oui, s'il apparaît, il bute. Mais pourquoi il l'a pas mis au sol, Mbappé? Il a bien tiré la balle. Il a fait un crochet, il a envoyé deux personnes au bled. Donc voilà, c'est un match maîtrisé pour moi. C'est juste qu'il manque un but. Mais quand tu regardes, on a le ballon, on a des situations. Défensivement, on a l'air... Non. Oh oui. Ok, il n'y a personne. Non, il a frappé. Bien joué. Oh, il a eu peur, Tchouaméni. Oh, bien joué. Allez, applique-toi. Non. Ça, c'est pas des bons centres, ça, en cloche comme ça. Envoie un vrai centre. Parce que même un défenseur, il a touché, il peut marquer contre son camp. Quand tu centres comme ça, le défenseur, il a le temps de... Mais oui, c'est ça. Même le gardien, il peut sortir. Voilà. Envoie un vrai centre. Tu ralentis l'action. C'est là où tu vois que c'est pas ralentir l'action. C'est là où tu vois que c'est pas un vrai latéral. Moi, je frappe. Il faut que tu frappes. Ouais, c'est une frappe. Voilà. Une frappe, tu frappes sur défenseur, il peut rentrer. Pourquoi pas? Oui, Giroud. Oui. Il est fort, lui. Il l'a tué. C'est incroyable. Il n'y a pas de faute, il n'y a rien. Il l'a tué. Il l'a massacré. Il l'a massacré. Oh là là. Allez, vas-y. Allez, Giroud. Vas-y. Niri, tu rates ça. Bon, bah c'est la mi-temps 0-0. Pour le moment, j'ai bon. Hein. Moi, j'ai dit 0-0. Oui. Mais franchement, la France là, mérite de aller à la mi-temps. On peut avoir un peu d'avantage. Voilà. Mais c'est une bonne mi-temps, mais il n'y a pas de but. On verra ce que ça va donner en deuxième. Il joue quand même, franchement. Non, là, les Danois, ils sont mieux. Là, les Danois, ils sont mieux.
Ça n'a rien à voir. Déjà, là, juste en 5 minutes, ce qu'ils ont fait, c'est mieux qu'en 45 minutes. Il joue le ballon. Oh, s'il l'avait passé. Il est passé. Incroyable, hein, s'il avait réussi ça, Mbappé. Hein. Oh, Griezmann. Oh, ce qu'il rate. Neri, non. Tu lopes. Je lope. Mais même pas. Intérieur du pied, voilà. Avec le petit rebond. Tac. Eh oui. Techniquement, il est tellement à l'aise. Regarde, avec le petit rebond. Niri. Intérieur, tranquille. Tu le tues. Tu le tues. Intérieur, tu le tues. Tu le mets au sol. Schmeichel, il plonge jamais. Regarde. Vas-y. Oh, bien joué. Oh, bien joué. But Mbappé. Niri, quel but. Incroyable. Hernandez. Incroyable, Théo. Erlandais. Il est incroyable. Quel but. Incroyable, Théo. Incroyable. Quel but. Mais, hé. Quel but. Tchouaméni, hein, qui relance pour Hernandez. Oui, Mbappé. Ah, franchement, incroyable. Incroyable. Ah, déjà 30 buts en équipe de France. Il va en mettre combien, lui? Il est jeune encore. Il a même, il a encore 20 ans de jeu. Il a même pas 25 ans encore. Il peut jouer encore 10 ans en équipe de France. Je veux Griezmann, moi, au départ. S'il a marqué Griezmann. Giroud, il sort? Oui. Ah. Oui. Giroud, tu le sors? Oui, moi, je le sors. Il a raison. Un peu fatigué. Non, il est âgé, Hakim. Ouais. C'était sûr. Mais oui, en fait, nous, on peut pas tenir sans jouer. Il faut qu'on joue. C'est normal. Franchement, c'est normal. Il faut qu'on joue, là. Regarde, on n'a même pas le marquage, on n'a rien. Lui, il rentre avec la tête et l'autre, il est avec son pied. Ici, tu vois, il n'y a pas de marquage. Pourquoi tu n'es pas devant le gardien? Regarde, comment s'appelle? Rabiot, pourquoi tu n'es pas devant le joueur? Pourquoi tu laisses le joueur avant toi? Tu as vu? Oh, regarde, Hakim, regarde. Pas de marquage, rien encore. Regarde l'action, tu vas me dire oui. Regarde l'action. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est à côté du joueur? Allez, un but. Oh! Elle est touchée là? Non, il est touché. Ah. Sente-moi un délire là. Oui! Iris, il a marqué ça. Il était bien. Allez, vas-y. But! Mbappé. Il est hors jeu. Doublé de Mbappé, incroyable. Mais incroyable. Non, mais Griezmann. C'est Griezmann. Ah, Griezmann, il est... C'est le meilleur, voilà, c'est... Griezmann, c'est Zidane en gaucher, frère. C'est un truc de fou. Parfait, en plus, on va rentrer dans le temps additionnel. Je crois, j'ai raison. Je crois. Ah, ben deux, hein eh. Je crois. Eh. J'espère. Donc, je crois que je vais voir une prime dans cette chaîne-là. Voilà, de mon fils. Bah, la prime, je là. Je vais voir même. Faites des dons, les gars, faites des dons. Ça, le défenseur, il est mal positionné. Il est fautif, ouais. Voilà. Tu le mets devant toi. Il ne doit jamais passer devant toi. Merci. Pourquoi tu laisses un joueur dans ton carré derrière toi? C'est toi qui tu le mets devant toi. Et comme ça, c'est toi qui commandes. C'est ça les défauts qu'on a dans l'équipe de France et Paris. Moi, les deux équipes-là, je les suis, on est faible. C'est tout. Terminé. Ouais, il n'a même pas joué le 6 mètres. Bon, bah... Victoire! Et voilà, victoire les gars, victoire. 2-1 de la France face au Danemark. Gros match. Notamment une très très grosse deuxième mi-temps de la part de Mbappé, qui était moyen en première mi-temps. Il n'était pas au top. Oui. Mais voilà, il s'est bien rattrapé en deuxième. Et franchement, ouais, grosse prestation quand même de l'équipe de France, parce que c'était face au plus gros adversaire de notre poule. Maintenant, place à la Tunisie. Je crois, si je me trompe pas, le match c'est mercredi prochain à 16h. On va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il va énormément tourner pour ce match. Et papa, voilà un petit mot. T'as eu le bon pronostic, hein, t'as dit 2-1. Donc c'est bon. Voilà. Donc j'ai un prime, j'attends la prime. Voilà, comme on dit en Bretagne, Inch'Allah. Bah, envoyez des dons pour le padré. Je lui filerai. Donc voilà les frères, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, comme d'habitude, et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et dites-nous en commentaire, voilà, votre top 3, flop 3, votre flop, votre top de cette rencontre. Et si,
Si voilà, hein. Attention, il y aura une vidéo réaction hein, pour Maroc-Belgique, vous inquiétez pas. Donc c'est au lendemain, voilà, hein, à 14h. Donc demain, on sera là. Le lendemain, on sera au taquet. Bref, c'est un game impossible et le Padré, on vous aime, on vous laisse et on vous fait la fucking build. Faites de la place où tu te prépares, c'est les lions de l'Atlas. Faites de la place où tu te prépares, c'est les lions de l'Atlas. Faites de la place où tu te prépares, c'est les lions de l'Atlas. Faites de la place où tu te prépares, direction le Qatar. Je place un groupe.